Je suis Kambal Yaman Etienne, coordonnateur national de la Ligue des pédiatres du Congo. À cette fin d'année, je ne veux pas rester dans le silence sans pour longtemps vous souhaiter meilleurs vœux pour l'année 2024. Nous avons cheminé ensemble la lutte jusqu'ici que nous évoluons dans le processus de mettre sur pied notre Ligue des pédiatres du Congo. Et voilà, nous allons au fur et à mesure pour son installation officielle. Je crois à l'occasion de nous retrouver en famille, avec les amis, les connaissances et partager des moments de bonheur ensemble. C'est aussi un moment, une occasion à tous les membres de la Ligue des pédiatres du Congo de réfléchir aux choses positives maintenant de la lutte que nous menons depuis juin pour la concrétisation de notre Ligue des pédiatres du Congo. Je dis merci à chacun de vous, à tous les membres de la commission de rédaction des statuts et des règlements intérieurs de l'IPECO, ainsi que Ligue des pédiatres du Congo, et tout le monde qui s'est investi pour le soutien mutuel que vous avez apporté directement ou indirectement aux nécessités et envers cette démarche de la Ligue des pédiatres du Congo, l'IPECO en sigle. Sachez bien que les bienfaits ne sont jamais perdus. Chers amis, chers et chers collègues, chers maîtres, chers doctorants, chefs de département et chefs de service de la pédiatrie, et infirmiers pédiatres, nous avons eu une année inoubliable. Sommes heureux de l'avoir partagée avec vous. Je nous souhaite que cette année nouvelle 2024 soit pour les amis et pour les membres de la Ligue des pédiatres du Congo un véhicule rempli de chocolat, plein de surprises délicieuses sans aucun goût amer. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant fasse régner la paix sur l'étendue nationale, sur le territoire national, et bien plus dans la partie est de la République démocratique du Congo, et que nous devons faire en sorte que la Ligue des pédiatres du Congo puisse être mise sur pied dans les soucis de deux, la vie des enfants, et que la démarche d'installation officielle de la Ligue soit encore beaucoup considérée par les pédiatres et les infirmiers sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en l'année 2024. Soyez tous bénis et que bonne année 2024.